10 autres. On va s'arrêter à 870. D'ici 2 jours, on fera les autres. Yo, il me semble que je connais ça. Là, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est les Sims. C'est pas les Sims. Je sais pas pourquoi, genre, j'ai ça de pogné dans la tête. Ah, c'est-tu genre comme un jeu FMV? 93. Et hey, je sais pas vraiment c'est... Wouah, je sais pas c'est quoi. Presto Studio. Quoi, le but du jeu? C'est un dungeon crawler? J'ai aucune idée c'est quoi. The Journeyman Project. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça se trouve, c'est une exclusivité PC. J'ai jamais vu ça sur les consoles. C'est une sorte des vieux jeux PC, exclusifs PC, là, c'est sûr, je vais me faire voir. Ok, attends une minute. Ah, j'hésite. J'ai envie de mettre un chibi robot, là, juste pour le style. C'est pas un chibi robot. 87%. On dirait un jeu PS2 ou GameCube. PS Vita. Ah ouais. Tears Away, peut-être. Nice. Ah, quand même, c'est bon. Ça, c'est pour les gens qui ont trippé sur Little Big Planet. Là. C'était un autre jeu de la même compagnie. Là. Media Molecule, c'est ça? Non, attends une minute. Je suis plus sûr. Non, Media Molecule, c'est Peter Molyneux. Attends une minute, je sais plus. Ouais, il y en a un autre, Tears Away. Il y en a un autre pour la PS4. Il est fait 100%, nice. This Golden Queen, c'était un de mes seuls jeux sur Game Boy plus jeune et je ne l'ai jamais fini. J'ai toujours réussi à me rendre au château et faire tous les niveaux et secrets. Mais le dernier niveau, incapable. Avoue, il est tough! Moi, je l'ai fait sur la chaîne. Là. Je l'ai fait en stream. Là. J'ai fait ça en une souris. C'était tough, man. Le dernier, là, genre, une chance, j'avais des vies à l'infini. Attends. Xbox? PS5, PS4, PC. C'est-tu genre un JRPG? 57%. Comment tu veux retenir ces jeux-là? Genre? Action RPG Element. Alors, c'est pas un RPG. Shooter. Xopek. Ah, c'est des Russes qui jouent à ça. C'est sorti cette année? Ok, mais oublie ça. J'ai aucune idée. Nixon, ah, c'est un jeu coréen. Ah, j'ai aucune idée, man. Pourquoi ils mettent des vieux jeux? Pourquoi ils mettent des nouveaux jeux de marde? Genre le jeu personne, The First Descendant. Hey, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai jamais entendu parler de ça. Faut juste être patient. Ouais, il faut être patient, mais il y a quand même des bouts qui sont tough dans le château de Wario. Là. Il y a des petits sauts dégueulasses avec des plateformes qui rentrent à des endroits. Là. Navigation 78. C'est-tu genre. Hey, je vais m'essayer, mais je suis sûr que c'est pas ça. Ça se peut pas être Starfield. Impossible. L'original 94 sur PC. Puis... Ah, c'est-tu genre. System Shock? Ah, oh, c'est le premier System Shock. C'est le premier System Shock refait, c'est ça. Son remaster. Eh ben. Je connais pas vraiment cette série-là. Il y en a qui disent que ça l'a influencé BioShock. Le jour où ils vont mettre des jeux NFT sur le site, on va être dans... J'en avoue, hein? 70%, genre... Hey, j'ai pas joué à un jeu qui était de même. PS Vita, PC, PS4. Ok, fait que c'est un jeu Sony, genre.
Ah, c'est... Fuck! C'est les gars qui font des RPG, là, pis tout le monde trouve ça nul, là. C'était la nouvelle équipe qui faisait des RPG pour Square. Je pense que c'est peut-être eux autres qui font Bravely Default, pis là, ils se sont mis à faire des RPG plus ambitieux, pis tout le monde fait « Non, c'est juste de la merde. » Je suis pas sûr, genre. Ah, oh, c'est quoi le nom? Tokyo RPG Factory, ouais, c'est ça. Ah, je sais plus c'est quoi le nom, genre. Je pense qu'il est... Il est pas sorti sur Nintendo Switch. Je pense que c'est vraiment les gars qui ont fait... Faut que j'essaye de quoi, genre... Ça va être genre de l'as quelque chose. Genre. C'est vraiment un nom boboche en plus. Non, je vais enlever de l'as. L'as. Je sais pas pourquoi dans ma tête, genre, y a... je pense que ça a rapport avec la neige ou quelque chose de même. Le titre. Je sais pas si c'est un flocon de neige ou quelque chose de même. Il y en a deux, genre. Ah, je sais pas. I am Setsuna. Non, c'est ça. Parlant d'NFT, ça marche-tu encore, ce truc-là, ou on n'entend plus parler? Je pense qu'il y a encore du monde qui essaie de vendre des NFT. C'est juste que là, tout le monde a compris que c'était vraiment une gimmick. Genre, ça n'a aucune valeur. Oh shit, attends une minute. Une case de feu. Sur Lynx. Atari Lynx, la console portable d'Atari, genre. What? The fuck is that? C'est quoi le nom du gars? User? Yoser? C'est un clégué. First try. Epix. J'essaie de voir s'il y a pas... Dude, j'ai jamais vu ce jeu-là de ma vie. L'Atari Lynx, va falloir l'essayer ça aussi. C'est un peu une Game Boy couleur, mais... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le nom. Chips Challenge. Ok, genre... Jouer à ça sur PC? C'est fort possible. Ça se trouve, c'est peut-être un jeu PC. Ma mère avait ça sur son ordi de job dans le temps. Ça se trouve, c'était même pas le même nom. Souvent, ça arrivait qu'il y avait des jeux qui sortaient sur Atari ou d'autres consoles. Puis quand ils étaient sur PC, ça avait plus le même nom. Mais écoute, Chip Challenge, écoute, le défi des chips. Des petits morceaux. Fuck, c'est bien tough. 69. Hein? Ok, attends une minute sur la Wii. C'est genre... Mario Slugger... Super Slugger. Merci, bonsoir. C'est le jeu de baseball de Mario. What the fuck? Le terrain, c'est une patinoire. Ah, oh, c'est Bandai Namco qui faisait ça? Ou Namco Bandai, avant qu'il change le titre de la compagnie? Ok. ...83. GameCube, Xbox, PS2. Fait que c'est un jeu multiplateforme. C'est-tu un Time Splitter? Je sais pas. Je vais écrire Time Splitter. Genre, c'est un jeu qui était quand même sur les trois... Non, c'est pas cette franchise-là. Ah, le petit robot, ça me dit quelque chose. Genre mec quelque chose, genre. Ou bot. On va peut-être le trouver en mettant le mot bot. Mécasso, non. Je vais mettre le mot bot. Astro bot, pas du tout. On n'a pas le mot robot, genre. Broken bot. Ah, je sais pas.
2003, c'est quand même tôt dans... Swinging Ape Studio. Mais ouais, ce jeu-là, j'ai déjà vu cette affaire-là. Il y en a qui disent c'est un hidden gem. J'ai jamais vu quelqu'un qui partait une game de ce jeu-là. Je sais plus, mais je l'ai déjà vu dans des vidéos de GameCube, PS2 en disant ça, c'est un hidden gem. Metal Arms Glitch and the System. Ok. J'étais loin. Tu le connais, ce jeu-là? Damn. Ah, c'est un Tomb Raider? Non, attends une minute. M'a écrit Tomb Raider, puis après ça, m'a écrit God of War. Parce que là, je dirais, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait... Genre Chronicle? Je sais pas. Non. Fantasy. God of War. On va mettre le 2. C'est pas ça du tout. Le 2001. Damn, c'est tout pareil. Genre, c'est la... La PS2 est sortie en 2001. C'est toujours un Conan quelque chose. C'est sûr que c'est pas ça le nom du jeu, mais... Rebel Arc Studio. Et là, ils nous sortent genre des jeux, mon gars. PC, c'est uniquement PC? C'est un Mighty and Magic. Blade of Darkness. Ok, j'étais complètement là. Complètement perdu. Et le dernier pour asseoir. C'est. Attends une minute. Attends une minute, c'est Pokémon. Parce qu'il y a une Switch. Il y a une Switch. Ça, c'est la. Attends une minute, c'est Pokémon. Il y a la Switch OLED blanche. Ça veut dire que c'est peut-être Pokémon violet. Merci beaucoup. Scarlet au violet. Et voilà. Bouclier. Et non, Iros. Et non! La Switch OLED n'était pas encore sortie. Et puis pour bouclier. Regarde la map. Ouais, mais j'avais déjà oublié la map. Mais j'avoue que c'était une map ronde, hein. Ouais, ok, je reconnais le village ici avec les Pokémon hauts, puis les montagnes, puis le milieu. Le milieu, il est weird, il n'y a pas le trou dans la map. J'en commence là, je pense, puis on fait des petits coups. Des petits trucs ici. Non, la map est pas tant bonne, je trouve. Moi, c'est vraiment la Switch OLED. Ça pouvait pas être un autre jeu. Là. 72, man. 72, puis on y a tout joué. La plus lazy des maps de Pokémon ever. Mais en même temps, comment tu veux faire, genre? Comment tu veux faire un open world de Pokémon? Tu sais, comme ils essayent, ils vont sûrement encore essayer de comprendre comment faire avec Pokémon pour faire un open world. Tu te casses pas la tête, là, tu fais un rond. Puis ton rond, t'essaies de le faire un petit peu moins rond pour pas que ça apparaisse trop, là. Ouais. Bon, mais c'était cool.